Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous explorons le beau pays de Guinée-Conakry, situé en Afrique de l'Ouest. Avec sa riche histoire, sa culture dynamique et ses merveilles naturelles à couper le souffle, il ne manque pas de choses à voir et à faire dans cette destination fascinante. De ses villes animées à ses parcs nationaux sereins, nous vous embarquons dans un voyage à travers la Guinée-Conakry, au travers de ses 10 faits intéressants. Alors, asseyez-vous et détendez-vous. Ensemble, nous allons découvrir les joyaux cachés de ce pays incroyable. Avant de commencer, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification afin de manquer aucune de nos prochaines vidéos. Allons-y. Située en Afrique de l'Ouest, la Guinée-Conakry a une histoire riche et diversifiée qui remonte à des milliers d'années. La région a d'abord été habitée par divers groupes ethniques, parmi lesquels on compte le Malinké et le Soussou, et ces groupes ont ensuite établi des royaumes et des empires puissants. Au cours des 16 et 17e siècles, la région a été contrôlée par les Portugais, puis par les Français, qui ont colonisé le pays à la fin des années 1800. En 1958, la Guinée-Conakry a obtenu son indépendance de la France et est devenue la première colonie africaine à rejeter l'appartenance à la communauté française, aussi appelée France-Afrique. Le pays a été dirigé par le président Sékou Touré pendant 26 ans, période pendant laquelle il a établi un État socialiste et a poursuivi des liens étroits avec l'Union soviétique et d'autres pays communistes. Entre les années 1980 et 1990, la Guinée-Conakry a connu une instabilité politique, notamment des coups d'État militaires et des troubles économiques. Le pays a depuis fait des progrès et évolué vers une gouvernance démocratique, en parvenant à tenir plusieurs élections. Malgré des défis permanents, notamment en faisant face à la pauvreté et au manque d'infrastructures, la Guinée-Conakry reste un acteur important de la politique ouest-africaine et possède un riche patrimoine culturel qui continue de prospérer aujourd'hui. Conakry est la capitale et la plus grande ville de Guinée. Située sur la côte de l'océan Atlantique, Conakry a une histoire et une culture riches, ainsi qu'une économie florissante. La ville compte plus de 2 millions d'habitants et est connue pour ses marchés animés, sa vie nocturne et son architecture étonnante. L'un des monuments les plus remarquables de Conakry reste une grande et impressionnante mosquée située dans le centre-ville que l'on appelle la Grande Mosquée. Le Musée National de Conakry est une autre attraction incontournable, mettant en valeur la riche histoire et le patrimoine culturel du pays. Les jardins botaniques de Conakry sont un bel espace vert qui offre une évasion paisible de l'agitation de la ville. Conakry est aussi une plaque tournante pour le commerce, avec un port prospère qui exporte des marchandises telles que la bauxite, le minerai de fer et les diamants. Nous y reviendrons plus tard dans la vidéo. On trouve aussi plusieurs plages et des stations balnéaires locales où les visiteurs peuvent se détendre et profiter du soleil et du sable. Que vous soyez intéressé par la découverte des monuments de la ville, la dégustation de sa délicieuse nourriture ou un peu de détente sur ces belles plages, Conakry a quelque chose à offrir à tout le monde. La Guinée-Conakry compte environ 13 millions d'habitants. La population est très diversifiée, avec plus de 30 groupes ethniques parlant une variété de langues et de dialectes différents. La langue officielle est le français, mais beaucoup de gens parlent aussi le soussou, la langue autochtone la plus utilisée au pays. Parmi les autres langues couramment parlées, on compte le poular, le manding et le pélé. En outre, un certain nombre de langues régionales et minoritaires sont parlées dans le pays, comme le baga, le kissi et le loma. L'anglais est également largement pratiqué, en particulier dans les zones urbaines et dans le milieu des affaires. La majorité de la population de Guinée-Conakry est jeune, avec plus de 60% de la population de moins de 25 ans. Le pays a un taux de natalité élevé et une espérance de vie relativement faible, ce qui a contribué à sa population, principalement jeune. La Guinée abrite certaines des plages les plus magnifiques et intactes d'Afrique de l'Ouest. Des rives sablonneuses et animées de Conakry aux criques paisibles et isolées de la campagne, il y en a pour tous les goûts. Le long littoral du pays, combiné avec son climat et ses eaux claires, en font une destination idéale pour les amateurs de plages. L'une des plages les plus populaires de Guinée est la plage du Soumba, située juste à l'extérieur de Conakry. Cette plage animée est un endroit idéal pour bronzer, nager et essayer les fruits de mer locaux. Pour ceux qui recherchent une expérience plus sereine, les plages des îles Lous, situées au large de la côte de Conakry, offrent une vue imprenable sur l'océan et des criques tranquilles et isolées. Les plages de Guinée sont également idéales pour les sports nautiques, comme le surf, la pêche et la plongée. Les amateurs de surf trouveront un certain nombre d'excellents spots le long de la côte, et les visiteurs peuvent également louer du matériel et prendre des leçons auprès d'instructeurs locaux. Les plages de Guinée offrent une expérience unique et passionnante pour les visiteurs.
avec un mélange de lieux animés et paisibles, une beauté naturelle à couper le souffle et de nombreuses possibilités d'aventure et de détente. La cuisine guinéenne reflète la diversité du patrimoine culturel et de la géographie du pays, en intégrant des influences de l'Afrique de l'Ouest, de l'Europe et du Moyen-Orient. La cuisine est axée sur des ingrédients de base comme le riz, le manioc, l'igname et les bananes plantain, qui sont utilisés pour créer une variété de plats délicieux. L'un des plats les plus populaires en Guinée est le riz jollof, un plat de riz savoureux cuit avec des tomates, des oignons, des épices et des légumes. Un autre aliment de base est le mafé, un ragoût copieux fait avec des arachides, des légumes et des viandes et servi sur du riz. Le kansiyé est un autre plat populaire, composé d'un ragoût à base d'agneau ou de bœuf assaisonné, servi avec du riz et des légumes. Le poisson est un aliment de base dans les régions côtières et il est souvent préparé de diverses façons, notamment en le faisant griller, frire et fumer. Le foufou, un plat féculent à base de manioc ou d'igname, est un plat d'accompagnement commun et est souvent utilisé pour ramasser les sauces et les ragoûts. En plus des plats traditionnels, il y a un certain nombre de cuisines internationales disponibles dans des villes comme Conakry, dans lesquelles on peut trouver de la cuisine française, chinoise ou indienne. La nourriture de rue est également populaire en Guinée, offrant des repas rapides et abordables tels que des kebabs, des sandwichs et des plantains frits. Que vous cherchiez un plat traditionnel ou quelque chose avec une saveur plus internationale, la cuisine guinéenne saura s'occuper de vous. Avec sa gamme de plats délicieux et variés, il n'est pas étonnant que la nourriture prenne une place si importante dans la culture du pays et dans son mode de vie. La Guinée est un pays riche en ressources naturelles, dont les minéraux, des forêts et beaucoup d'eau. C'est le deuxième pays producteur de bauxite, un minerai primaire utilisé dans la production d'aluminium, et l'extraction de bauxite contribue de façon importante à l'économie du pays et à attirer d'importants investissements internationaux. Parmi les autres minerais trouvés en Guinée, figurent le minerai de fer, les diamants, l'or et l'uranium. Ces ressources ont joué un rôle important dans l'économie du pays. Toutefois, malgré sa richesse en ressources naturelles, la Guinée a eu du mal à exploiter pleinement ses actifs en raison d'un manque d'infrastructures, d'un accès limité au marché et d'une instabilité politique. Le gouvernement a récemment fait des efforts pour relever ces défis et attirer les investissements, notamment en mettant en œuvre des réformes pour améliorer le climat d'investissement et moderniser le secteur minier. Les ressources naturelles de la Guinée offrent un potentiel important de croissance économique et de développement. Et avec les investissements et les politiques appropriées, elle pourrait être un puissant moteur de croissance et de prospérité pour le pays et sa population. Les chutes de Sumba sont une merveille naturelle située dans les hautes terres de la Guinée. Avec ses eaux en cascade et ses environs verdoyants, c'est l'une des destinations touristiques les plus populaires du pays. Les chutes sont formées par la rivière Sumba, qui descend en cascade une falaise et forme ensuite un lagon. Les visiteurs peuvent admirer les chutes depuis une plateforme d'observation ou descendre au lagon pour se baigner. La région environnante abrite également une variété de vie végétale et animale, ce qui en fait un endroit populaire pour les amoureux de la nature et les ornithologues. En plus de sa beauté naturelle, les cascades de la Sumba possèdent également un riche patrimoine culturel avec plusieurs légendes locales et des histoires traditionnelles associées au site. Certains croient que les chutes ont des pouvoirs de guérison et les populations locales utilisent le lagon pour des cérémonies rituelles de purification depuis des siècles. Visiter les chutes de Sumba est un must pour quiconque voyage en Guinée. Que vous admiriez les chutes d'en haut ou que vous preniez un bain dans le lagon tout en bas, les visiteurs seront certainement enchantés par cette merveille naturelle. Avec leur beauté à couper le souffle et leur riche patrimoine culturel, les cascades de Sumba sont un véritable joyau de la Guinée. La Guinée abrite un large éventail d'espèces sauvages, y compris un certain nombre d'espèces qui ne se trouvent nulle part ailleurs dans le monde. Les paysages variés du pays, de ses forêts denses à ses savanes vallonnées, fournissent un habitat à un large éventail d'animaux, y compris des primates, des oiseaux, des reptiles et des grands mammifères. L'une des espèces les plus emblématiques de Guinée est le chimpanzé, qui se trouve dans les forêts du sud-est du pays. D'autres primates trouvés dans le pays comprennent le gorille des basses terres de l'Ouest, qui est désormais considéré comme en danger critique d'extinction, et le singe Mona. La Guinée abrite également plusieurs espèces de grands mammifères, dont des éléphants, des lions et des buffles. Ces animaux se trouvent dans les savanes et les forêts de l'intérieur du pays et sont des cibles populaires pour les chasseurs de gibier. En plus de sa riche population de mammifères, la Guinée abrite également un large éventail d'espèces d'oiseaux, avec plus de 500 espèces recensées dans le pays.
les ornithologues trouveront une variété d'habitats, des forêts luxuriantes aux savanes ouvertes, offrant de nombreuses occasions d'admirer ce large éventail d'espèces. Le riche patrimoine faunique de la Guinée offre aux visiteurs une occasion unique de découvrir la beauté et la diversité de la flore et de la faune ouest-africaine. Qu'il s'agisse d'observer des primates dans leur habitat naturel ou d'admirer le plumage coloré d'oiseaux exotiques, les visiteurs seront certainement enchantés par le riche patrimoine naturel du pays. La religion joue un rôle important dans la vie de nombreuses personnes en Guinée, avec un mélange de croyances autochtones traditionnelles, l'islam et le christianisme. L'islam est la plus grande religion du pays, avec plus de 85% de la population s'identifiant comme musulmane. Cette région est arrivée en Guinée au cours du XIe siècle et a depuis été profondément liée à la culture et aux traditions locales. Le christianisme, y compris le catholicisme et le protestantisme, est également présent dans le pays, avec environ 10% de la population s'identifiant comme chrétienne. Les croyances autochtones, comptant également l'animisme, continuent de jouer un rôle important dans la vie de nombreuses personnes, en particulier dans les régions rurales. Malgré la diversité des religions dans le pays, l'harmonie religieuse est une caractéristique déterminante de la société guinéenne. Les gens de croyances religieuses différentes vivent et travaillent ensemble pacifiquement. Et les célébrations et les fêtes religieuses sont souvent célébrées par des communautés de toutes origines. En plus de sa diversité religieuse, la Guinée abrite également un certain nombre de sites religieux importants et de destinations de pèlerinage, y compris la mosquée d'Al-Mami Samori Touré et le sanctuaire de Saint-Joseph. Ces sites sont vénérés par des personnes de différentes religions et offrent aux visiteurs l'occasion d'en apprendre davantage sur le riche patrimoine spirituel du pays. Dans l'ensemble, la religion joue un rôle central dans la vie de nombreux Guinéens, façonnant leur culture, leurs traditions et leurs valeurs. Que vous visitiez une mosquée, une église ou un sanctuaire, vous aurez certainement l'occasion de mieux comprendre le paysage religieux de ce pays fascinant. Fouta Djallon est une région montagneuse du centre de la Guinée, connue pour ses collines, ses forêts verdoyantes et son riche patrimoine culturel. Cette région abrite la plus grande concentration de peuls ethniques, qui sont connus pour leurs traditions culturelles fortes, ainsi qu'une architecture distinctive. Fouta Djallon est également une destination populaire pour les amateurs de plein air, avec ses collines et ses forêts verdoyantes, offrant un terrain de jeu pour des activités comme la randonnée, le camping et l'observation des oiseaux. La région abrite également un certain nombre de cascades magnifiques, comptant aussi les célèbres chutes de Sumba dont nous avons parlé plus tôt, ainsi que plusieurs rivières qui offrent des possibilités de rafting et de kayak. En plus de sa beauté naturelle, Fouta Djallon est également un important centre culturel, avec plusieurs sites historiques et villages traditionnels disséminés dans toute la région. Les visiteurs peuvent en apprendre davantage sur la riche histoire et le patrimoine culturel de la région en visitant les musées locaux, les villages traditionnels et les sites historiques, ou en assistant à des événements et des festivals culturels. Fouta Djallon est une région unique qui offre un mélange de beauté naturelle, de richesse culturelle et d'aventure en plein air. Que vous soyez amateur de nature, de culture ou de plein air, vous trouverez certainement satisfaction dans cette partie remarquable de la Guinée. Et voilà, nous sommes déjà arrivés à la fin de la vidéo. Encore merci d'avoir passé du temps avec nous. Et surtout, n'hésitez pas à nous communiquer vos impressions. N'oubliez pas de liker notre vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo et espérons vous revoir bientôt